j'ai là, c'est le bal du pape. Tu crois? Oui, même c'était la Pro Expo, elle était là aussi. Le forêt, c'est qui était couvert. C'est des expositions, le parc d'exposition n'existait pas. Oui. Non. Oui. Non, c'était encore une caserne, il y avait encore plein d'or. Ça va commencer par les assiettes et que c'est, on a vu le début. C'était comme ça, va? Les toits des Cordeliers, non. Là, on vient en face de Pascal Cortez. Mais jusque là, on vient jusque là. C'est un couvent? Lors de son passage à la porte d'Albin, le futur roi Henri IV s'arrête devant la maison d'un paysan en train de manger du mia. Ne connaissant pas ce gâteau au maïs, le futur souverain demande à le goûter. La femme du paysan choisit alors la meilleure part, la fait dorer dans du beurre et la trempe dans du miel pour donner un aspect appétissant au modeste maître. Pensant que le peuple castrait est à l'abri du besoin, le roi de Navarre augmente les impôts. Une légende raconte que 3 ans plus tard, Henri IV, de passage à Castres, retourne chez ce même paysan, pensant se régaler. Il y trouve un homme dans la misère, qui lui apprend que les taxes accablent les castrés, et un mia bouilli, sans saveur, lui est servi. Face à cette astucieuse mise en scène, le roi baissera les impôts. Thank you.
Là, on est allé là. C'est beau.